Hello les jolis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver chez Action. On est du côté de Erstein. Je vous propose qu'on fasse un petit tour. C'est parti. Et je vous propose qu'on commence par ceux-ci. Ce sont des plateaux ronds métal. Vous vous rappelez, on en avait déjà vu en noir ou en blanc. Mais là, ce sont des couleurs différentes. Je crois qu'il y a une petite nuance aussi au niveau du design. Là, c'est un rose très très pâle à 2,50€. Il fait 28 de diamètre, 4 cm de hauteur. On a bien les petits patins antidérapants en dessous. Et l'autre couleur, elle est là, c'est un beige. Ça, c'est pour le petit modèle, 2,50€, ça me semble être un bon prix. Hein. Si vous voulez, il y a du plus grand, je vais vous le montrer, attendez. Il est là, le plus grand. Et alors celui-là, il est... Normalement, il y a même un moyen. Il y a trois tailles au total. Celui-là, il fait 38 de diamètre, 5 cm de hauteur, 4,50€. Et le moyen, c'est celui-là, qui est à 3,50€ en 33 de diamètre. Vous voyez, rose pâle ou un espèce de beige. Franchement, ils sont sympas. Et le prix, il est bien. Regardez, c'est celui-là que je vous disais à l'époque. C'est pas du tout le même, en fait. Hein. Celui-là, il existait en blanc et en noir. Et il était plus cher en plus. Il était... il était à 3€. Légèrement plus cher. Par ici, j'ai une nouveauté pour des cadres. Alors, toujours structure métal avec ces fameuses arches. Ça coûte 2,50€. Pour la dimension, c'est du 10 par 15. Ah, attendez, il y a même une troisième couleur, il y a du doré, je crois. Hop, hop, voici en doré. Vous avez trois couleurs au total. 2,50€. Donc à ne pas confondre avec celui que je vous avais montré précédemment, c'était celui-là qui était à 3€. Vous voyez, la structure, elle est complètement différente. Celui-là, il est un peu plus épuré, quoi. On a un autre cadre avec un fond en tissu, en coton. 42 par 22, il est à 3,50€. Avec trois pinces à linge, vous pouvez le laisser en l'état ou personnaliser avec des photos. Et je finis avec ce cadre en bois de manguier en 13 par 18. Celui-là, je vous l'ai montré hier, hein, il coûte 3,50€. On a deux couleurs possibles. Ok, allez, je vais continuer. Je vais essayer de trouver d'autres nouveautés. Il y en a quelques-unes déjà. Au linge de maison, hier, je vous montrais ces coussins. Je vous avais montré le rose. Il n'y avait que du rose hein, sur l'Ampertime. Il est à 5€, relief, il y a une jolie qui l'a acheté, super choix, franchement il est beau, hein. Regardez, j'en ai trouvé un autre ici, c'est un gris argent, tout déhoussable, et vous voyez, il est bien gonflé, là j'aime bien les coussins qui sont bien gonflés, 5€, et on a également ces tapis imprimés en 60 par 100, tout en coton, à 6€, il y a trois couleurs, ah bah regardez, il y en a un qui est ouvert, je vais me permettre, je vais le mettre par terre. Bon, ça fait pas très grand en fait. Je sais pas pourquoi dans ma tête 60 par 100, ça faisait genre un petit coussin de couloir. Non. Au final, non, non. Mais ils sont beaux. Et faciles à laver, donc ça, c'est quand même un plus, je trouve. Hier, je vous avais montré ce coussin et j'avais qu'une couleur, j'avais le marron. Ce qui est bien là, c'est qu'ils ont laissé le plastique, du coup, je peux les mettre par terre. Ils sont en 45 par 45 à 5,50€, totalement déhoussables. Et vous voyez, vous l'avez en rose, marron, et la troisième couleur, c'est celle-là, du blanc. Je suis au rayon bougie, je suis tombée sur ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah, en fait, c'est des chandelles dans un pot. Ah, c'est pas idiot, hein. Alors, j'ai que ces deux couleurs. Donc, vous prenez la chandelle et vous la mettez directement là, si je comprends bien, à 2,70€, elles font 12 cm. De longueur, ça s'appelle bougie dîner, je crois pas qu'elle soit parfumée. Hein. Il y en a 5 à l'intérieur. Quid de quand on en a plus, on fait quoi? Sinon, on met si je mets une bougie normale, voilà, on peut faire ça. Mais celles qui sont prévues, elles font moitié moins. Hein. 2,70€. Et non, j'ai parlé trop vite une fois de plus. Regardez, vous pouvez acheter les recharges à 1,90€. Donc elles font 2 de diamètre, 12 cm de hauteur. On a 4 heures de combustion. Et voici les couleurs que vous pouvez avoir. On dirait que c'est parfumé, mais non, elles ne le sont pas. Hein. C'est juste coloré. Ah, elles sont pas mal. Regardez, il y a du rose aussi, comme ça. Ok, bah écoutez, j'ai parlé trop vite. Vous pouvez acheter les recharges sans problème. Ils ont rentré des brûleurs de parfum. Alors, je sais... Je crois, ouais, ils sont nouveaux. Vous voyez, avec le décor arche jusqu'au bout. Hein. Vous connaissez le système pour celles qui mettent des fondants. On a celui-là aussi en strié et vous l'avez aussi en arche blanc. Je crois qu'il ne va pas nous quitter de sitôt hein, l'arche. Alors, ils sont, d'après le prix que j'ai là, à 2€. On a aussi ceux-là à l'ancienne qui sont dispo aussi dans d'autres couleurs.
Et les fondants, ils sont vendus par 6 à 1 euro. Jamais essayé ces produits-là de chez Action. À l'époque, j'avais, il y a très longtemps, hein, une collègue qui faisait elle-même ses fondants et tout. J'avais acheté un brûleur chez Action et je faisais brûler ça chez moi. Mais vous savez, maintenant, je fais plus trop de bougies à la maison. Voilà, je reste tranquille, j'ai que de la bougie LED. Je suis au rayon cuisine verrerie. J'ai trouvé ces pots à provision. Ils font 1,6 litre, 2,62€. Moi, j'adore l'idée qu'ils soient transparents en fait sur le dessus, parce que si vous les mettez dans un tiroir, du coup, bah, c'est bien, on peut voir par le dessus ce qu'il y a. 1,6 litre. Alors, juste cette partie-là, c'est du plastique pour info, sinon ça c'est de l'inox et le reste c'est du verre. Et vous voyez, ce qui est bien quand ils sont carrés, c'est qu'on peut parfaitement les aligner. Donc 2,62€, et à côté on en a un autre. Ça c'est un retour de stock. 1 litre de contenance. Et ils sont à 2,60€. Voilà, pour les jolis qui préfèrent. Les pots ronds. Ça je vous l'ai montré hier, hein, c'est arrivé là, cette semaine. C'est les paniers pour mettre dans les placards à 2,22€. 30 par 26, 14 cm de hauteur. Vous n'avez pas le choix de la couleur. Il n'y a que du gris, mais bon, on va dire que c'est une couleur qui est plutôt neutre. Ça devrait s'accorder parfaitement chez vous. Je suis au rayon saison. Alors, on a déco murale à 9 euros. Je vous l'ai peut-être déjà montré, je ne sais plus, parce qu'il y a eu tellement de variantes sur cette déco que je ne me rappelle plus du tout. Ça coûte 9 euros, c'est 38 par 58. Si vous cherchez ce meuble, il est en stock. Hein. Il est à 34 euros. 95 cm, non. Si, c'est ça, 95 par 76 par 30. Et vous voyez, ils ont remis aussi les tables de chevet. Bon, celles-là, elles sont pas nouvelles, mais c'est vrai que maintenant, elles sont en stock et elles sont à 20 euros. 40 par 30, 50 cm de hauteur. Ce qu'on voit là, c'est un tiroir hein, et la structure est tout en métal. Alors, regardez, c'est la première fois que je vois ça, un aspirateur traîneau. Moi, j'aime que les aspirateurs traîneaux. Pour le grand nettoyage, j'aime bien le sans fil pour tous les jours, mais je trouve que ça, ça a beaucoup plus de puissance. La marque, c'est Sauber. Il est à 50 euros. C'est un 600 watts. Attendez, non, je cherchais sur internet si je trouvais un avis ou si c'était une marque connue. A priori, c'est que commercialisé par Action. Le tuyau là, il fait 8 mètres, donc ça, c'est cool. Enfin, cordon d'alim 8 mètres. On a une grande, voilà, une grande capacité. 50 euros. Et à côté, on a le retour de l'aspirateur Karcher, donc eau et poussière, à 60 euros. 12 litres la cuve, 1000 watts en puissance nominale. Ça, c'est plutôt cool, hein, au final. C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on trouve ce genre de produit chez Action. Si vous cherchez une poubelle, celle-ci, elle est très bien. Elle est à 8 euros, elle fait 50 litres de contenance. Et regardez au-dessus ce qu'on a. On a les petites étagères à chaussures 3 niveaux ou alors dessertes de cuisine, appelez comme vous voulez. Ça coûte 9 euros. Non, attendez. Non, non, ça coûte 9 euros, mais c'est pas la même chose. Il y en a deux en fait. Regardez la dimension. C'est 61 de hauteur, 41 par 23. Et à côté, j'ai celle-là qui est à 9 euros aussi. Elle fait 59 de hauteur, 64 par 23. Ce ne sont pas les mêmes. On voit peut-être pas grand-chose avec le plastique. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, tout ça, là, toute la gamme Tomado, on a un égouttoir à vaisselle, on a les porte-chaussures, on a la double étagère que je vous ai montrée tout à l'heure au rayon cuisine. Donc voilà, il y a du stock, c'est cool. Alors, il y a une jolie qui voulait que je m'arrête au parfum. C'est peut-être pas... le rayon, là, il a été dévalisé. Alors, dans les derniers qui sont rentrés, on a le Chantal Thomas à 14 euros. Normalement, il y en a deux des sortes. Moi, j'en ai plus qu'une, c'est celle-là. Il n'y a pas de testeur. Sinon, je t'aurais montré volontiers. Les Capas, ils sont toujours dispo hein, à 3 euros. Ce sont des autres parfums en 100 ml. Il y a les deux qui sont là. Je regarde si je trouve un testeur. J'ai le rose. Ils sentent bon, ceux-là, ils sont pas mal. Après, vous allez me dire, c'est peut-être un peu con de dire qu'un parfum sent bon. C'est un peu fait pour ça, mais bon. En tout cas, je trouve qu'il est pas mal. Et regardez, on a le Agatha qui est ouvert. Les Agatha, ils sont à 10 euros. Et on a deux couleurs. On a le orange, c'est le Enjoy. Et on a le rose. Et ce que je te propose, ma jolie, c'est que quand je vais dans un magasin qui a un beau rayon parfum bien fourni, parce que celui-là a été bien dévalisé, eh bien, je te ferai un peu plus de détails. Derrière moi, on a du déo spray en Umbro pour femmes. Hein. Ça coûte 1,80. Je ne sais pas si vous utilisez les déos spray. Moi, ça me pique.
J'utilise que les Déobies maintenant. 1,80 150 ml. Pour les cheveux, on a un après-shampoing Head & Shoulders à 2,12 €. C'est 220 ml. Regardez ce qui est revenu. Ah non, il n'y avait pas un truc comme ça. C'était un spray parfum. Là, c'est un coupe-sourcil électrique. Ça coûte 5 € en L. Alors, ça doit être rechargeable, sur-retouché. Ouais, ça, non, ça fonctionne avec des piles, une pile. Et ici, on a des masques à lèvres pour la nuit. C'est à la fraise. Ça coûte 1 €. Tiens, c'est la première fois que je les vois, ceux-là. Hier, je vous ai montré, je vous ai parlé d'highlighter, mais je vous ai raconté des bêtises parce qu'en fait, il y avait 3 produits. C'est après que je m'en suis rendu compte quand j'avais coupé la vidéo. Il y avait un blush, un highlighter et le troisième, c'était un contouring justement. Du coup, ils les ont pas ici. Je peux pas rectifier le tir. Je vous remontrerai ça la prochaine fois. Et ici, écoutez, on a des boîtes. Toutes les boîtes qui existent. Je peux presque vous faire une vidéo spéciale boîte. Voilà les jolies, ma vidéo du jour est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas je vous invite simplement à la liker, je vous fais plein d'énormes bisous, on se retrouve tout à l'heure, il y a quoi à côté, il y a Centre Incor, je vais aller faire un tour, désolée j'adore ce magasin, prenez soin de vous, à plus tard, bye bye.